dans de nombreux pays, une industrie très puissante. Ça s'appelle les industries créatives et culturelles. Cela participe au développement de ce que l'on appelle l'économie créative. En Algérie, l'économie doit non seulement se développer, mais aussi se diversifier. Et du coup? Et chez vous, en fait, vous connaissez certainement ces perpétuelles questions de professionnalisation du secteur de la culture. Des projets qui souvent ne voient pas le jour par manque d'informations, d'aide et d'accompagnement. À Artissimo, on a envie de participer à l'émergence de cette industrie-là. Voilà. Concrètement, comment? Alors, concrètement, imaginons que vous êtes styliste et que vous voulez monter votre maison de couture. Vous êtes plasticien et vous voulez avoir votre propre galerie d'art. Voilà. Vous pouvez être un amateur de musique et vous voulez créer une plateforme pour promouvoir la création algérienne. Vous avez un projet de start-up dans le domaine créatif. Voilà. Donc, bref, vous avez un projet créatif à concrétiser. Dans ce cas, on fait comment? Vous créez une entreprise ou bien une association, vous travaillez en freelance, comment vous trouvez un nom pour votre marque? Comment vous allez développer une stratégie marketing? Comment vous allez trouver le financement pour réaliser tout ça? En gros, comment vous y prenez tout ça? En fait, dans le hub, il va y avoir différentes activités. Parmi elles, les workshops qui vont permettre justement à ces porteurs de projets de passer de l'idée à la concrétisation de leur projet. Il va y avoir aussi la mise à disposition d'une scène pour les artistes qui ont envie de se produire et donc à qui on donnera cette chance-là. Il y aura aussi des masterclass dans différents domaines pour développer ses compétences et bien sûr nos formations et cours sur mesure pour acquérir une connaissance précise. De plus, des conférences seront organisées régulièrement pour justement se rencontrer, se nourrir les uns des autres, échanger nos expériences et surtout développer notre réseau et le réseau professionnel des artistes et des acteurs de ce secteur. C'est un programme, apparemment. Effectivement, vous trouverez tout cela en détail sur notre site artissimo.nz et sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour recevoir toute notre actualité. Chocolat.